Madame la Présidente, chers collègues, personne ne doit pouvoir montrer du doigt, stigmatiser un homme, une femme, un enfant qui a été obligé de quitter son pays pour fuir la misère, la violence. Mais tout le monde doit se mobiliser quand derrière cet exil se cache aussi un trafic d'êtres humains. Vu de Bruxelles, Haïti peut paraître loin, mais en réalité, dans cette région du monde, plusieurs territoires européens, français, sont en proximité directe avec le drame haïtien, des Caraïbes jusqu'en Guyane française. Partout, toujours, nous avons fait la démonstration de notre solidarité et nous savons que les urgences d'aujourd'hui exigent cohérence et efficacité. Alors oui, il faut vérifier si les aides européennes à Haïti contribuent réellement à lutter contre la souffrance du peuple haïtien. Nous avons des doutes et ils sont légitimes. Mais nous devons aussi mesurer les impacts de cette crise violente. En ce moment même, aux frontières de la Guyane française, plusieurs centaines de Haïtiens sont là et réclament l'asile. Nous ne pouvons pas laisser ce territoire européen seul face au drame haïtien. Le gouvernement français intervient, l'Europe doit aussi intervenir. Je vous remercie.